Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à ces 20 heures spéciales. Je suis en tout cas très ravie de vous retrouver 25 ans après pour cette belle opportunité qu'on ne pouvait pas manquer, opportunité offerte par notre maison mère, la RTNC. Vous l'avez compris, nous sommes bien dans la célébration du jubilé d'or de notre alma mater, l'ISTI IFASIC, qui célèbre ses 50 ans d'existence. Bonsoir à tous. Une de plus, voici les titres de cette édition spéciale. Eh bien, c'est le dernier virage pour l'organisation des élections prochaines en République démocratique du Congo. Les candidats à la présidentielle sont appelés à aller déposer leur dossier. Et le président de la CENI qui vient de convoquer l'électorat à ce scrutin. Et puis, nous avons le programme de développement local des 145 territoires plus que palpables dans le Nord Kivu. Des écoles et des centres de santé viennent d'être réceptionnés. Nous sommes là à Massi, dans le Massissi. Et puis, une question dans ce journal, quel apport du journaliste économique dans le développement de la RDC, l'ISTI IFASIC a formé pendant 50 ans le journaliste économique. Vous l'avez compris, dans cette édition, nous avons la chronique économique avec le spécialiste économie de la maison, si pas de la RTNC. Enfin, de notre alma mater, j'ai cité Jérôme Sekana Pene Papa. Il est aussi un ancien de l'ISTI. Il est directeur général de l'agence Galaxy Media. Il est consultant international en communication, spécialité économie. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Rose de Lucano. J'accuse. Très content de te retrouver. Très ravi. Le plaisir est partagé. Qu'est-ce que tu penses de cette opportunité? Bon, il fallait le faire, hein. Le jubilé d'or, il fallait que nous puissions nous exprimer quand même. Quand bien même on a perdu un peu... On a gardé la touche. Ben voilà, c'est parti donc pour cette demi-heure encore d'informations. Madame, Messieurs, rebonsoir. Eh bien, avant de parler de la CENI, nous allons annoncer cette bonne nouvelle que le président de la République va procéder demain. Il va aller dans le Maluku pour le lancement, demain samedi 2 septembre, le lancement de la production industrielle dans la zone économique spéciale de Maluku. Nous sommes à l'est de Kinshasa, dans cette ZES, zone économique spéciale. Des carreaux de faïence made in Congo, ils seront produits ou ils sont déjà produits. Et un guichet unique de perception est en pleine construction dans cette zone économique spéciale. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Comme annoncé dans le sommaire de ce journal, eh bien, plus de doute que jamais pour la tenue prochaine en République démocratique du Congo des élections en décembre de cette année. Denis Kadima Kazadi, le président de la Commission électorale nationale indépendante, vient de convoquer ce jour l'électorat pour cette présidentielle tant attendue, les tout derniers scrutins de ce cycle électoral. Ce sont des précisions que nous allons suivre avec Tétis Samba et Jires Ochumbe. Le dernier verrou pour l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo est tombé ce vendredi 1er septembre 2023 avec la convocation par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, de l'électorat pour l'élection du président de la République devant l'ensemble du bureau et de la plénière, le Gotha, d'invités et la presse à la salle Abbé Apollinaire Manumalo. Une promesse tenue par le bureau de la centrale électorale qui respecte à la lettre toutes les étapes, place à la présidentielle couplée aux trois autres scrutins juste nommés prévus le 20 décembre 2023. Cette année marque par ricochet l'ouverture du 9 septembre au 8 octobre, soit 30 jours, du bureau de réception et traitement des candidatures au siège de la CENI sur le boulevard du 30 juin. Le numéro 1, la centrale électorale, rappelant le parcours entrepris par l'institution qui dirige, a mis en avant des faits saillants de son évolution. Le grand défi pour la CENI et pour toutes les parties prenantes au processus électoral demeure la tenue des élections dans le délai constitutionnel sur base d'un fichier électoral fiable et des candidatures aux différents scrutins certifiés et sans exclusive. La vision de la CENI est celle de devenir une CENI de standard mondial qui imprime une culture démocratique pérenne
en République démocratique du Congo. Sur ce, je convoque ce jour l'électorat pour l'élection du président de la République. À tous ceux qui prédisent le malheur en faisant un procès d'intention à la CENI, après les consultations électorales, Denis Kadima Kazadi a voulu conjurer le sort. À ces prophètes de malheur qui espèrent et affirment à haute voix que la CENI sera la cause d'un violent conflit post-électoral qui justifierait une grave instabilité politique et qui conduirait à un changement de régime antidémocratique, nous répondons en deux mots, sans effet. Auparavant, le rapporteur de la CENI, Patrice Ntiamulela, a lu la décision portant convocation de l'électorat et ouverture du bureau de réception et traitement des candidatures pour l'élection. Et puis, ce procès en flagrance des présumés auteurs des manifestations du 30 août dernier à Goma, nous sommes dans le Nord Kivu. Au total, 143 bandits ont été identifiés à l'audience publique qui a eu lieu ce matin, ce vendredi 1er septembre. Le tribunal militaire de garnison va se prononcer sur le sort de ces inciviques dans les jours à venir. Reportage. 258 prévenus arrêtés le 30 août dernier lors des échauffourées de Goma, durant la poursuite des personnes qui s'identifient Ouazalendo, ont été devant les magistrats du tribunal militaire de garnison de Goma ce 1er septembre 2023. C'est en procédure de flagrance que les audiences publiques foraines sont organisées, précise Major Amsini Lazare, magistrat instructeur, président du tribunal militaire de garnison de Goma. Nous allons suspendre pour continuer demain avec l'identification de prévenus. 143, selon la liste en annexe de la correspondance de l'officier du ministère public, c'est-à-dire l'auditeur militaire de garnison. Après l'identification de tous les prévenus, ceux-là qui ne seront pas de notre compétence s'est rejeté. À ce moment-là, on va rendre une seule décision avant d'y être, un ADD. Donc ça, nous serons obligés de les mettre à disposition de leur juge naturel et puis nous allons apprécier la compétence par rapport à ceux-là qui vont rester et puis nous allons commencer l'instruction au fond. En ce qui concerne les préventions, à savoir l'association des malfaiteurs et participation à un mouvement insurrectionnel. Ces prévenus jouissent de l'assistance d'un collectif d'avocats. Quelques fidèles de la secte des Ouazalendo ont été présents à l'intérieur qu'à l'extérieur du stade. Les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et autres services de sécurité encadrent les audiences qui se poursuivent ce 2 septembre toujours au stade de l'Unité. L'Italie et la République démocratique du Congo s'engagent à renforcer les relations de coopération dans le domaine sécuritaire. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba, a eu un entretien à ce propos avec l'ambassadeur d'Italie en poste à Kinshasa. Le reportage de Nicole Cesep-Loca. L'Italie entend renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans les domaines de la sécurité, surtout en ce qui concerne la formation des forces armées de la République démocratique du Congo. Déclaration à la presse de son ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo, Alberto Francelli, au sortir de l'audience lui accordée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Pierre Bemba Gombo. La situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la partie est de la République démocratique du Congo était largement au centre des échanges entre les deux personnalités. Je suis venu présenter mes civilités au VPM Défense. On a parlé un peu de la situation sécuritaire. Aussi, on a parlé des possibilités de réchauffer la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité. Je crois qu'il y a des possibilités là-dessus, on va évaluer ensemble. Formation qu'on peut faire, par exemple, des équipements, mais on va voir, on va décider ensemble. La crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo a occasionné des milliers de déplacés internes qui ont besoin d'une assistance humanitaire.
Réseau intranet à travers les différents caméras de surveillance placées dans les carrefours de la ville de Kinshasa vient d'être créé. Eh bien, ce réseau, c'est pour pouvoir améliorer la circulation. Il est connecté au robot roulage, une initiative de la police et Women in Tech. Reportage Chati Kiwemé. Désormais, plus jamais rien n'échappera au contrôle de la police nationale congolaise. Des écrans de surveillance viennent d'être installés dans les différents bureaux de l'inspection générale de la police. Connectés aux différentes caméras installées à travers la ville de Kinshasa, ces écrans permettront à la police de surveiller les faits et gestes de la population, non seulement pour avoir preuve, mais aussi d'intervenir rapidement en cas de problème. Désormais, avec ça, la population kinoise, nous allons répéter cette image. Nous allons le mettre à profit pour qu'ils sentent qu'avec Madame Thérèse de Women Technology, nous sommes capables de les surveiller et de surveiller tout le monde. Et quand on surveille, c'est pour apporter des réponses aux problèmes que nous sommes en train de constater là-bas. Kinshasa compte à elle-même 85 carrefours. Ce système de surveillance réduira les risques des accidents. Et non, les compétences locales existent. Donc c'est nous-mêmes, le peuple congolais, nous pouvons arriver à faire la sécurité dans notre pays. Il ne faut pas qu'on appelle seulement les étrangers pour ça. Et ces caméras de surveillance peuvent arriver à créer de la richesse et de l'emploi par rapport au délit qui se fait à la route. Avec une démonstration de son et images, cette phase d'essai s'est déroulée en présence du numéro 1 de la police, Blaise Kilimba Limba, qui a félicité Women in Tech pour ses projets combien louables. Ces caméras de surveillance permettront de sécuriser la ville à temps réel. Alors que le fait des signalisations du boulevard du 38 juin sont de nouveau opérationnels grâce à Women in Tech. Il faut espérer que ce réseau va pouvoir décongestionner la ville et améliorer le trafic dans la capitale. Avec Françoise Bouela-Bouaki et Pompon Oumba, nous allons parler de Massissi où des centaines des écoles et des centres de santé ont été réceptionnés comme pour dire que les programmes des 145 territoires est plus que palpable dans les Massissi. Nous sommes là dans le Nord Kivu. Ces écoliers piaffent d'impatience. Ils ont surveillé l'exécution des travaux de construction de leur nouvelle école. Aujourd'hui, en bleu et blanc, ils souhaitent la bienvenue. La ministre d'État, ministre du Plan, Judith Soumino Atuluka, fait preuve d'un courage rare. Accompagnée du gouverneur militaire du Nord Kivu, elle est arrivée dans le territoire de Massissi, à Sake, procéder à la remise officielle de cet édifice public de l'épée Kachoufou. Plusieurs écoles et centres de santé que nous recevons ce jour viennent d'être une réalité grâce à la volonté politique de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, à qui je réitère les vibrants hommages pour son souci de restaurer la paix et le développement en République démocratique du Congo. Judith Souminois, sur le terrain des opérations militaires, rassure sur la détermination du gouvernement Samalou Kondé de concrétiser la vision du président de la République qui a produit la construction des écoles pour soutenir la gratuité de l'enseignement de base. Nous devons faire face aux efforts de guerre qui prennent beaucoup de ressources, mais le gouvernement est décidé à mettre le maximum de ressources pour achever ce programme. Pour une symbolique, la patronne du plan, entourée des bénéficiaires des réalisations du chef de l'État, a passé un message. Nous voulons une RDC forte,
Nous voulons une RDC en paix. Le PEDEL 145 territoires crée des emplois localement. L'agence d'exécution BESECO construit 48 écoles et 38 centres de santé pour le Nord-Kivu. Une RDC forte, c'est également avec un chemin de fer réhabilité comme celui de Kinshasa-Matadi, qui n'est plus un secret. Il est assez vétuste. Ce constat a été fait une fois de plus par les experts en mission d'inspection dans ces sites ferroviaires, d'où l'appel à la nécessité de sa réhabilitation. Des précisions dans ce reportage de Pierron Bouillou et Alain Bikaï. Une des dernières pluies diluviennes qui avait arrosé une grande partie de la capitale congolaise, le chemin de fer Kinshasa-Matadi, dans son tronçon du PK-335, à quelques mètres de la gare de Kimwenza, avait connu un emportement de la plateforme de sa structure de la voie ferrée, avec comme principale conséquence l'affaissement du dit tronçon, qui avait paralysé ainsi la circulation, aussi bien des personnes que des marchandises, tout au long de cette voie ferrée. Engagé à redorer les blasons ternis, et surtout redonner à cette voie ferrée ses lettres de noblesse d'antan, la direction générale de la Société congolaise des transports et ports, SCTP ex-ONATRA, avait initié et lancé il y a quelques mois, sur fonds propres des recettes de cette entreprise du portefeuille, les travaux de réhabilitation et de la modernisation de ces tronçons d'une importance capitale pour le désengorgement de la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi, afin de fluidifier le trafic ferroviaire sur cette voie. Un miracle réussi, d'où cette assurance. Le gouvernement nous a donné mandat de pouvoir réhabiliter les chemins de fer le plus tôt possible. Le message qu'ils lançent, c'est un message d'espoir que nous pouvons reprendre bientôt la circulation sur la voie ferrée. Que notre chemin de fer que vous voyez là est en fin cycle. Donc il y a lieu que maintenant et tout de suite que l'État puisse s'y pencher réellement pour avoir un nouveau chemin de fer. Il convient de marteler que bien avant cette inspection, les membres de ce groupe d'experts ont visité les différents compartiments de la gare centrale où sont érigées diverses constructions anarchiques et la direction générale de la SCTP s'est engagée à combattre avec la dernière énergie cette usurpation de leur espace et surtout de leur patrimoine. D'autres travaux de réhabilitation, c'est dans les infrastructures aéroportuaires de Bangkoka à Kisangani qui évoluent également bien. Tel l'a constaté le PCA de la Régie des voies aériennes en mission d'inspection dans les différents aéroports de notre pays. Monsieur Trifon Kinké Moulumba a cependant déploré la dégradation des pistes de certains aéroports visités. Le reportage est de Anita Luamba et Henri Alimassi. Les travaux de l'aéroport international de Bangkoka dans la ville de Kisangani évoluent à pas de géant. Sa concrétisation est l'un des volets du plan de réhabilitation dont la construction vise à faire un hub entre les villes de Lubumbashi, Goma et Kinshasa. En visite d'inspection des infrastructures aéroportuaires de quelques provinces, le nouveau comité de gestion de la Régie des voies aériennes a visité ce nouvel aéroport aux normes internationales. De la piste d'atterrissage en passant par les infrastructures de base, Trifon Kinké Moulumba se dit satisfait des travaux réalisés sur le terrain. Néanmoins, il déplore la dégradation des pistes d'atterrissage de quelques aéroports lors de sa visite d'inspection. On a été dans 5 provinces. On vient là de la Tchopo. Et beaucoup de problèmes. Si vous voulez, du matériel trop vétuste, des infrastructures trop vétustes, des pistes partout dégradées. Il y a au moins beaucoup de plaisir à Kisangani. Quand on arrive à voir tous ces travaux qui se font, on se dit on va avoir enfin une aérogare internationale digne de ce nom. Bien avant, le professeur Kinké Moulumba s'est rendu dans la province du Lualaba où il a été reçu par l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini. Sur place, le président du conseil d'administration a visité la piste d'atterrissage qui nécessite aussi d'être réhabilitée, la tour de contrôle et le service anti-incendie. Au cours de sa visite, Trifon Kinké a déploré les conditions dans lesquelles évolue le personnel de la RVA. Au regard de son calendrier très chargé, la délégation conduite par le nouveau PCA, Kinké Moulumba, n'a pas pu effectuer la visite du nouvel aérogare de Kolwezi construit sous financement propre du gouvernement provincial.
Un autre aéroport visité, celui de la Luano à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. C'était le 30 août dernier par le ministre en charge du transport et communication, Marc Ekila. Il a été sur place avec les responsables de l'autorité de l'aviation civile. Ils ont tenu une réunion à ce propos. Des précisions avec José Baïtouambo. Pour permettre à la République démocratique du Congo de se conformer aux exigences et aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, et accéder à la satisfaction de la norme dite de certification, des mesures urgentes ont été prises en vue de garantir la mise en conformité nationale et internationale de l'exploitation des aéroports nationaux et internationaux de la RDC. La nécessité de sécuriser ces sites stratégiques à la suite de l'augmentation du flux de passagers était d'une grande importance. Au cours de la réunion convoquée le mercredi 30 août 2023 par les ministres de Transport, Voies des Communications et des Enclavements, Maître Marc Ekilali Kombo, il a été procédé avec des parties concernées à l'évaluation de travaux de la clôture de l'aéroport de la Luano. Autour du ministre, on a noté la présence du directeur général adjoint de l'autorité de l'aviation civile congolaise et celui de la régie des voies aériennes. Nous avons commencé par Lubumbashi où la clôture de l'aéroport est en cours en ce moment et nous voyons les autres aspects. Après Lubumbashi, on va voir, ça sera peut-être Njili. Ça sera Goma ou Kisangani, nous allons cheminer. Tenant compte de toutes les recommandations du président de la République issues du 9e Conseil de ministres, le ministre de Transport, Voies des Communications et des Enclavements assure les suivis de plus près pour une bonne exécution de 10 travaux suivant les normes. Processus électoral ou élection, on en parle encore dans ce journal. Pour parler de la représentativité de la femme dans le processus électoral, ce sujet a été évoqué lors des échanges entre la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et l'envoyée spéciale du président de la Commission de l'Union africaine, Madame Benita Diop, en visite à Kinshasa. Des précisions avec Naïcha Kiala et José Baïtouambo. C'est un moment d'échange fructueux entre Denise Nyakeru Tshisekedi et Bintou Diop, envoyée spéciale du président de la Commission de l'Union africaine. Militante de la cause des femmes et des personnes vulnérables, les échanges de ces deux personnalités ont porté sur les initiatives visant à promouvoir la femme africaine à travers l'éducation, l'accès aux soins de qualité, l'autonomisation et la lutte contre les violences basées sur les genres. La lutte contre les violences faites aux femmes, en particulier l'initiative du Fonds Narev, une action très appréciée par Bintou Diop, l'envoyé spécial du président de la Commission de l'Union africaine, a souhaité même que ce modèle soit répliqué dans d'autres pays africains. Nous sommes venus vraiment pour tout d'abord la féliciter pour tout le travail qu'elle fait pour la République démocratique du Congo. Mais son engagement en tant que première dame au niveau de l'Afrique. Vous savez, le président Antoine Tshisekedi a été notre champion et continue de l'être sur la masculinité positive. Mais même au niveau de la plateforme des premières dames, nous avons vu l'engagement que la première dame de la République démocratique du Congo fait en faveur des femmes du Congo. Dans l'éducation des filles, nous avons échangé avec elle. Vous savez, l'accompagnement qu'elle fait et les filles d'excellence qu'elle a même envoyées à la Sorbonne, c'est quelque chose qu'il faut magnifier. Mais nous lui avons demandé aussi de plaider fortement pour l'implication des femmes à la table de négociation, parce que sans les femmes, nous n'aurons pas une paix durable. Nous l'avons aussi parlé des initiatives des femmes d'ici et d'ailleurs, comment elle peut s'impliquer. Mais nous lui avons également parlé des initiatives qu'elle pourrait prendre avec les partis politiques, mais aussi auprès de son époux, pour qu'il y ait plus de représentation de femmes au plus haut niveau de décision, au niveau de la République démocratique du Congo. Bintou Diop n'a fait que défoncer une porte ouverte
la première dame Denise Nyakeru-Tshisekedi est sur tous les fronts pour placer aux agendas des priorités nationales la question de la participation de la femme. Voilà, nous retournons sur ce plateau pour parler du journaliste économique. Nous sommes bien dans cette partie avec Jérôme Sekana pour, dans les cadres, je rappelle, de la célébration des 50 ans des Listi IFASIC. Jérôme Sekana Pene Papa est aussi un produit des Listi IFASIC et journaliste économique. Économique, économiste. Bon, les gens font souvent des confusions. Tout à l'heure à la rédaction. Un journaliste économique, c'est un communicologue, un communicateur formé dans une institution universitaire qui a toute la stratégie communicationnelle et ajoute les connaissances sur l'économie, les finances publiques. C'est celui-là qu'on appelle journaliste économique. Tandis que un économiste, c'est quelqu'un qui étudie à l'université, qui fait l'économie pure à l'université. Et plus tard, s'il veut devenir, par exemple, journaliste, on ne l'appellera pas journaliste économique, on dira journaliste économiste. Donc, okay. C'est ça la différence. Alors, et toi, tu en es bien un journaliste économique? Moi, je suis un journaliste économique parce que voilà. Je suis le produit de l'IFASIC. L'IFASIC m'a façonné et m'a permis de faire le tour du monde et d'occuper certaines fonctions, notamment celles que vous aviez évoquées tout à l'heure, des consultants internationaux en communication, au niveau des 5 institutions internationales. Je peux citer la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la BAD, la Commission économique des Nations Unies. Jean, on arrête là avec tes casquettes. Parlons plutôt aujourd'hui de notre alma mater, oui. 50 ans durant. Oui. Il a formé donc ces hommes économiques oui. que vous êtes. Oui. Alors la question ce soir, comment l'ISTI a formé pendant autant d'années et quel est l'apport en fait de vous autres pour que ce pays soit développé? L'économie, tout comme les finances publiques, c'est un domaine des initiés. Il y a trop de chiffres et les gens ont besoin de comprendre quelque chose. Alors, le journaliste économique, c'est lui qui est la courroie des transmissions. Donc, lui, il prend les informations techniques, scientifiques, un peu compliquées, et il rend ça consommable, potable pour le grand public. Donc, le journaliste économique est là pour faciliter la compréhension des questions économiques, des questions des finances publiques, et permettre à ce que monsieur tout le monde puisse comprendre c'est quoi l'économie. Voilà pourquoi au niveau de l'IFASIC, on a au niveau de l'IFASIC, comme je le disais tantôt, toute une faculté qu'on appelle journalisme économique. Donc, il faut apprendre. Et là, il y a beaucoup, le malheur, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes gens qui acceptent d'affronter les chiffres. Parce que là, vous parlez de des cadres macroéconomiques, vous parlez du fonctionnement des finances publiques, et comment fonctionne la chaîne de la dépense, la chaîne de la recette publique, et tout ça. Il faut vraiment que vous soyez vraiment aguerri, avoir un grand background pour essayer d'expliquer cela. Parce qu'il y a un adage pédagogique qui dit, pour donner court comme un doigt, il faut connaître long comme un bras. Long comme un bras, exact. Alors, vous qui avez été formé, peut-être qu'en parlant ce soir, vous allez redonner goût à ces jeunes gens ou même les autres qui sont partis pour revenir et avoir en fait cette touche pour être spécialiste, oui. Mais vous particulièrement, pour parler de vous, quel est votre rapport à ce pays? Mais nous faisons beaucoup. Je vais vous donner un exemple qui est passé sur la chaîne nationale. Oui. Au mois de juin, il y avait un détournement des 120 tonnes de cuivre au Katanga. Nous avons envoyé notre représentant là-bas, notre correspondant, il a fait un reportage qui est passé sur la chaîne nationale. Imaginez-vous, le président de la République a suivi et quelques semaines après, il a dépêché le chef d'état-major général. Au moment où je vous parle, il y a des arrestations. C'est ça. Donc il y a une certaine crédibilité dans l'information que donne un journaliste économique, surtout qui respecte la déontologie et qui maîtrise bien sûr toutes les règles de la communication. Et si c'est qu'un mouton noir
En tout cas, les gens n'ont pas tellement confiance. Un mouton noir, c'est-à-dire celui qui a été formé sur les terres. Quelqu'un qui bricole, au fait. Alors, rapidement, pour terminer, Jérôme, quelles sont les grandes observations? D'abord, nous les faisons de temps en temps. On a constaté que dans notre pays, nous avons un sérieux problème. Le budget, la capacité contributive est importante, mais on n'arrive pas à capter beaucoup d'argent qui se trouve notamment dans l'informel. On a constaté qu'au niveau de notre pays, nous avons, les institutions sont extrêmement budgétivores. Près de 70% du budget est consommé rien que pour le fonctionnement des institutions. Il faut réduire les trains de vie des institutions et nous faisons de temps en temps des propositions dans le cadre de ce que nous appelons Toile d'araignée, qui est l'ONGD, des journalistes économiques d'investigation et spécialistes. Des contrôles citoyens. Et nous avons réussi, grâce à l'IFASIC, à former non pas la poignée des journalistes économiques que nous avons, mais bien sûr, nous avons aujourd'hui 250 journalistes économiques formés par Toile d'araignée avec l'argent du Trésor public. Et quelles recommandations particulières pour... Il faut qu'il y ait des desks. Au niveau des LISTI, même au niveau de la RTNC et de toutes les chaînes, il faut qu'il y ait des desks. Des desks économiques, des desks sur l'environnement, des desks sur la santé. Nous sommes en train d'évoluer, la communication évolue. Il faut être spécialiste. Madame, on ne remet pas les bistouris à un menuisier pour faire la césarienne et déplorer les dégâts après. Les bistouris, on les remet entre les mains d'un gynécologue, de surcroît chirurgien. Il en est de même avec la communication. Pour parler avec autorité des questions économiques, il faut être un journaliste économique. Pour parler avec autorité des problèmes juridiques, il faut que vous soyez spécialiste dans ces domaines-là. D'où la nécessité de créer des desks appropriés, spécialisés au niveau et de thématiser nos chaînes. Merci. Des télévisions et des radios. Merci beaucoup Jérôme Sekana Pene Papa qui m'a rejoint dans cette édition pour parler de notre alma mater, du moins de notre formation. Alors, puisque nous sommes dans notre maison mère, la maison qui nous a vu naître professionnellement, la RTNC, il faut signaler qu'une réunion du conseil d'administration élargie aux responsables de la direction des informations télévisées, des membres du syndicat et d'autres services de la RTNC a eu lieu aujourd'hui, donc ce vendredi 1er septembre, sous la houlette de son président, un autre Issien et Ifasicien, si on peut le dire, Floribert Loubota. Reportage. Après le succès des 9e Jeux de la Francophonie, où toutes les compétitions étaient diffusées en direct avec les images des hautes technologies par la RTNC, diffuseur hôte des Jeux de la Francophonie, piloté par Sylvie Lengenyembo, l'heure est à l'évaluation. C'est ce qui justifie la réunion du conseil d'administration élargie aux responsables des directions des infos TV, des syndicats et autres services impliqués dans l'organisation de ces Jeux. La réunion était présidée par le président du conseil d'administration, Floribert Loubota, qui a apprécié la qualité de la couverture médiatique de la RTNC en temps réel. C'est l'occasion pour moi de remercier le chef de l'État parce qu'il a mis des moyens à la disposition de la RTNC pour la réussite de ces Jeux. Et tout le monde a remarqué que la RTNC a fait un très bon travail. Par la même occasion, nous remercions également notre ministre, le ministre des Tutelles, qui lui également s'est impliqué au niveau du gouvernement pour que ces moyens-là arrivent à la RTNC. Et nous avons fait un travail qui a été apprécié sur toute la planète Terre. Une opportunité pour le directeur général de la RTNC, Sylvie Lengenyembo, qui s'est dite très satisfaite du travail des techniciens et de tous les reporters de la RTNC qui ont démontré leur expertise dans la couverture médiatique de toutes les compétitions internationales. Les impressions sont très bonnes. Il faut le reconnaître que sans l'appui du chef de l'État à ce projet qui était l'organisation des 9e Jeux de la Francophonie, les Jeux n'allaient pas avoir l'ampleur que ça a eu en RDC comme à travers le monde. Nous avons apprécié son intervention à sa juste valeur. Vous avez vu tout le soutien que nous avons eu via le gouvernement et l'implication de notre ministre de tutelle pour qu'enfin la RTNC puisse changer de visage. Et c'est un processus qui continue. Les 9e Jeux pour nous, c'était l'un des points culminants qui montre que l'impossible n'est pas RTNC et que nous pouvons faire et faire mieux encore. Et c'est le défi que nous nous sommes accordés après cette évaluation de toujours travailler de concert. C'était une réussite pour la chaîne nationale et félicitations à l'ensemble des techniciens et reporters qui ont travaillé. Sur tous les 11 sites, 300 reporters et techniciens de la RTNC étaient déployés
Une précaution pour ne pas rater toutes les compétitions sportives et culturelles de ces Jeux de l'espace francophone. Les coordonnateurs et chefs de projet RTNC de ces Jeux de la francophonie, Robert Ndozingoy, a apprécié à sa juste valeur le travail abattu par la RTNC. Eh bien, un petit correctif, il s'agit bien de Floribert Loboto, pour ne pas massacrer son nom, le PCA de la RTNC qui a dirigé ce conseil extraordinaire ce matin ici à la RTNC. Eh bien, pour parler de droits de l'homme avec Louisette Nsakala et J.R. Kabamba, disons que le président de la CNDH, Paul Sapou Moukoulou, il a corrigé les accusations portées à sa personne par le bureau de cette institution d'appui à la démocratie. Il fixe ainsi l'opinion et rappelle les signataires au respect des lois de la République. Reportage. Le président du bureau de la CNDH, Paul Sapou Moukoulou, reste en place et cela pour un mandat de 5 ans. N'en déplaise au coordonnateur des 5 sous-commissions permanentes de la Commission nationale des droits de l'homme. La vice-présidente de la CNDH RDC, Joëlle Mbamba, l'a affirmé dans ce communiqué de presse. Le bureau de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, a appris ce mercredi 31 août 2023, aux environs de 12 heures précises, par une lettre sans référence du 30 août 2023, venant des commissaires nationaux, coordonnateurs des 5 sous-commissions permanentes de la CNDH, ayant comme objet le retrait de confiance et votre démission avec effet immédiat, adressé à M. Paul Sapou Moukoulou, président de cette institution d'appui à la démocratie. Dans le souci d'éclairer l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, et de garder le climat de paix, favorisant ainsi la mise en œuvre du mandat et de la mission de la CNDH telle que lui confiée par le législateur congolais, le président et son bureau tiennent à rappeler que cette agitation observée dans le groupe des commissaires signataires fait suite à la décision de l'Assemblée plénière portant avis et proposition de la CNDH sur la mise en place d'une commission d'enquête indépendante sur la mort de feu chérubin Okende Senga, ainsi que celle d'une mission d'observation électorale dénommée MOE-CNDH. Paul Sapou Moukoulou se réserve le droit de saisir les instances judiciaires et administratives compétentes pour faire respecter les textes légaux et réglementaires régissant la CNDH dans l'ultime souci de préserver le bon climat de travail qui devrait prévaloir dans cette institution. Eh bien, retrouvons à présent le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, en Belgique, où il séjourne depuis peu. Il a échangé avec le directeur général de l'Institut Edmond. C'était autour de s'assurer du moins du déroulement des stagiaires, les élèves de l'École nationale de l'administration congolaise qui sont en stage à Bruxelles. Le reportage est de Nadine Kilocho, Cédric Kenina et Moké Malouma. Après avoir formalisé la coopération bilatérale entre la RDC et la Belgique dans le domaine de l'administration et de la fonction publique, poursuivant son séjour à Bruxelles, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a été reçu au siège de l'Institut Egmont, où il a tenu une séance de travail avec le directeur général de cet institut, qui, dans le cadre de la coopération bilatérale, a donné l'opportunité à une cinquantaine d'élèves congolais de réaliser une période de stage de professionnalisation dans des services publics de la Belgique. À l'occasion, le VPM Jean-Pierre Liaou a pris part à la cérémonie de clôture de stage de professionnalisation de la 8e promotion dénommée Simon Kimbangu. Après 3 mois de stage, ces élèves ont bénéficié du savoir-faire et du savoir-être plus diversifié que la RDC devra valoriser dans la fonction publique.
Le passage de ses élèves dans l'administration publique belge leur a offert une valeur ajoutée particulière pour une vision plus large des défis et enjeux des services publics. Pour Jean-Pierre Liaou, la République démocratique du Congo est engagée dans le processus de transformation de son administration et cela passe par la dotation des services publics des ressources humaines très qualifiées ayant la passion de servir la nation congolaise. Mon pays, la République démocratique du Congo, est engagé de façon irréversible dans un processus, comme je l'ai indiqué tantôt, de transformation de son administration publique, en vue d'en faire un élément important de l'édification, de réalisation de politiques publiques de développement. Cette transformation passe notamment par l'impérieuse nécessité de doter les services publics de ressources humaines très qualifiées et ayant la passion de servir réellement le pays. C'est la mission du rajeunissement qualitatif et compétitif confiée par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Doté du savoir-faire et du savoir-être supplémentaire, ses élèves ont démontré la détermination d'apporter leur expertise au redressement et à la modernisation de l'administration publique congolaise. Par le Lualaba et à Kolwezi, plus précisément à Moussompo, où une journée porte ouverte a été lancée aujourd'hui par le CEC, nous supposons, pour cette journée porte ouverte organisée par le laboratoire d'analyse chimique de Moussompo. L'objectif est de faire découvrir aux exploitants miniers, artisanaux et industriels les équipements ultramodernes que la RDC vient de mettre à leur disposition. Reportage. C'est officiel. Le laboratoire d'analyse chimique de Moussompo à Kolwezi dans la province du Lualaba a ouvert ses portes au public. Quelle d'émotion et des surprises sur le visage du premier groupe en visite, le président du conseil d'administration du CEC, Dav Kalemba Kanchama, qui a procédé au lancement des journées portes ouvertes, a appelé les uns et les autres à faire confiance à ces machines des derniers cris. Nous constituons l'ensemble de l'État, et cet État qui matérialise aujourd'hui la vision de notre chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dans sa vision de faire de Congolais des millionnaires. Je profite de l'occasion pour déclarer ouverte la journée porte ouverte. Le directeur général de cette structure technique de mine, Freddy Mwamba Kaniku, a aussitôt rappelé à l'assistance que cette réalisation du CEC s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de doter la République d'un outil devant déterminer le minerai qui doivent permettre à l'État de recouvrer ses droits pour accroître des recettes publiques. Le CEC comme service public a voulu matérialiser la vision du chef de l'État. Et dans ce cadre-là, donner à la République un outil qui va permettre à la République de connaître réellement son sol, de connaître à l'exportation quels sont les minerais qui sortent réellement de la République démocratique du Congo. Le fournisseur sud-africain de la machine spectro-analyticale a été impressionné des équipements de ses laboratoires. You can see all the instruments inside the lab is... Ici sont des machines de haute facture et de dernière génération. Ce sont des machines qui sont très performantes. Les journées portes ouvertes du CEC poursuivent leur bon nombre de chemins jusqu'à leur clôture le samedi 2 septembre 2023. Trouvons Madame Benita Diop, l'envoyée spéciale du représentant de la Commission de l'Union africaine, qui s'est entretenue avec le haut représentant du chef de l'État. Vous vous en doutez, c'est pour la question de la représentativité de la femme. Nous sommes bien dans le processus électoral. Le précision avec Rachid Foufou, Atem Chris et Tigiana Mwemba. C'est une reconnaissance de la valeureuse carrière d'un digne fils du pays, celui en qui le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a vu les qualités requises pour coordonner les conseils présidentiels du pacte national pour l'agriculture et l'alimentation. Des qualités et des prouesses.
Et le Japon vient d'honorer en décernant au docteur Teranya Tsanginga une décoration de l'ordre du soleil levant, étoile d'or et d'argent, qui récompense depuis 1875 les mérites exceptionnels. Je suis vraiment très honoré de recevoir ce prix qui est rare, venant disons du gouvernement japonais. Et ce prix m'est offert pour le temps que j'ai passé à l'IIT. On a commencé à avoir beaucoup d'échanges entre, disons, les étudiants africains qui faisaient l'agronomie. On en a envoyé une cinquantaine, une centaine au Japon. Et puis, il y avait beaucoup d'étudiants, disons, du Japon qui venaient au Nigeria. Donc, ça a été un partenariat gagnant-gagnant, comme nous le disons ici chez nous. Et je crois que, disons, ce prix nous offre pratiquement le pont pour entamer, disons, cette coopération qui va naître. L'ambassadeur Minami Hiro du Japon a salué les 35 ans d'expérience dans la recherche et le développement agricole, la dimension de la recherche, le renforcement des institutions et le développement d'alliances stratégiques qui drainent les coordonnateurs du conseil présidentiel du pacte national pour l'agriculture et l'alimentation. Eh bien, à l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDEPES, les choses tournent plus que vite. Après le congrès donc tenu dernièrement, congrès qui a vu l'Assemblée de l'UDEPES nominer leur candidat à la présidence de la République, aujourd'hui, le secrétaire général de l'UDEPES s'en va à la formalisation des choses. Eh bien, Augustin Kabouya est allé notarier les documents relatifs aux résolutions issues de ces assises. Reportage Alain Bikaï. Tous les matins du jeudi 31 août, l'ambiance était électrique aux alentours du bureau des notariats de la Tchangou. Les cadres et combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS se sont mobilisés massivement pour accueillir leur secrétaire général qu'accompagnaient les juristes du parti et les membres du bureau du congrès d'Ngandayala venir légaliser la résolution de cette messe politique. Sur place, Augustin Kabouya et sa suite ont rempli les formalités d'usage en la matière. Après vérification de la conformité de ces documents par les services compétents, le notaire de la Tchangou a instrumenté ces actes et les a remis aux gestionnaires au quotidien du parti présidentiel. Pour le secrétaire général, cet acte est une démarche normale de tout légaliste. À l'issue de cette cérémonie, les membres du bureau de ces congrès extraordinaires ont exprimé leur satisfaction. Il fallait le légaliser pour faire asseoir toute la légalité autour de la gestion du parti par le secrétaire général. Que l'opinion, tant internationale que nationale, sache qu'à l'UDPS, on a un candidat aux élections futures présidentielles, qui est son Excellence Antoine Félix Tshisekedi. La gestion est entre les mains du secrétaire général à qui le Congrès a renforcé le pouvoir pour le bon fonctionnement du parti. Avec tous ces signes donnés par les partis d'Étienne Tshisekedi, le 20 décembre s'annonce chaud pour les adversaires de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Eh bien, nous allons atterrir lentement mais doucement pour terminer avec ce communiqué de presse de la Régie des Eaux. Le plaisir est pour moi également de retrouver encore des communiqués dans le journal. Eh bien, la Régie des Eaux, la direction régionale Kinshasa-Ouest, informe ses abonnés de la partie ouest que suite aux travaux de la SNEL au poste haute tension du Texco, son usine de traitement d'eau potable de l'ozone sera en arrêt ce samedi 2 septembre 2023 à partir de 8 heures jusqu'à la fin des travaux de la SNEL. Par conséquent, des perturbations dans la fourniture d'eau potable seront observées dans les communes et quartiers ci-après. Montfleury, Macampagne, Joli Parc, Ozone, Météo, Delvaux, Djelombiza, UPN, Sangamamba, Ngomba Kisuka, Télécom, Malweka, Kimbwala, Don Bosco, Kan Munganga, Mboudi, CPA, Kisuka Pêcheur, Carigresse, Mimosas et Kan Tchachi.
La Régie des Eaux prie ses abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément indépendamment de sa bonne volonté et les invite de se constituer des réserves d'eau. Elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin de ses travaux. Voilà, tout est bien qui finit bien, Jérôme Sekana. Nous avons chuté pour notre partie. Oui. Nous étions là en train de célébrer à notre façon les 50 ans. Avec plaisir, parce qu'en 50 ans d'existence, notre alma mater a produit plus de 15 000 diplômés, des gradués, des licenciés, des docteurs. Et nous sommes sûrs que l'IFASIC est en train de modeler la communication et l'information en République démocratique du Congo. Nous en avons pour preuve. La RTNC se trouve aujourd'hui entre les bonnes mains et les choses évoluent très, très, très positivement. Exact. La RTNC se trouve entre les bonnes mains. Nous ne manquerons pas de remercier les autorités de la RTNC, le PCA, l'équipe du moins du conseil d'administration, l'équipe des gestions. Merci beaucoup pour cette opportunité que nous ne pouvons pas louper pour venir retrouver les téléspectateurs que j'ai laissés personnellement il y a 25 ans pour notre public quinois. Merci une fois de plus pour votre attention. Nous allons rappeler rapidement les grands titres. Voilà, on me dit merci, on me dit que nous allons du moins partir vers les Monts Galiéma pour le compte rendu du Conseil de ministres qui a été présidé par le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ce compte rendu est bien rendu par le ministre en charge de la communication, Patrick Muyaya. Voilà ce que vous allez suivre tout de suite. Bonsoir.